très dans l'actualité avec le contexte juridique, les conditions de la liberté d'expression. Ensuite, on a juste avant le contexte social, la fois parlé du contexte technologique, et on finira avec un monde qui est sorti sur le contexte géopolitique et géostratégique. Alors, je profite de cette introduction pour remercier profondément tous les intervenants qu'on a vus, les intervenants d'hier, qui sont venus, je le précise, parce que c'est pas besoin, tout gracieusement. Et je remercie tous nos collègues. Au premier titre, évidemment, la Fondation de Genève qui nous a accueillis et avec laquelle on a énormément travaillé, notamment avec la Fondation de Genève et Macron. Mais également, et particulièrement, la nouvelle Ebola, avec Ebola qui est restée tout week-end et qui a fait l'ensemble de la technique et qui a enregistré l'ensemble de nos débats. Je voudrais remercier aussi TV7 qui a toute la semaine, et notamment Alain qui a participé à une émission spéciale sur la liberté d'expression. C'était passionnant. Qui a aussi relayé une interview de notre maire. Donc, on a eu un reportage également de Catherine Bonnechef au château. Donc, merci à TV7 qui est en la personne de Christophe Michel Armand. Je vous remercie pour le laisser souffler un petit peu. Donc, merci aussi, bien sûr, pendant tout le week-end, on a eu toutes les équipes autour de Michel Dufranc, de la presse, qui ont fait un travail extraordinaire pour organiser cette manifestation qui a commencé mercredi avec 270 élèves qui ont visité le château. Merci à vous. Et ensuite, effectivement, on a eu quelques arrosières qu'on a vécues tous ensemble. Alors, on va rentrer dans cette table ronde et je vais présenter donc deux trois invités. Alors, on va faire une petite anecdote des deux au départ. Alain a gentiment accepté de participer parce que vous verrez, c'est clairement un dialogue extrêmement intéressant sur cette partie technologique. Donc, je vais commencer par Jérôme Bondu. Jérôme Bondu, vous êtes expert en intelligence économique. Vous avez l'influence du comité informationnel. Vous êtes spécialisé sur la place des GAFA. Vous intervenez à l'Institut des hautes études de défense nationale, via le Paris, et puis ESG. Alors, vous avez vu très récemment le petit dossier de la gestion des informations, dans lequel vous étudiez entre autres comment la compréhension, la maîtrise de l'information est incontournable dans la société d'aujourd'hui. Et puis, un peu sur votre référence, un peu plus ancien, on en parlera, c'est maîtriser Internet avant qu'Internet ne vous maîtrise. Sur lequel, en fait, vous détaillez ce qui est essentiel de connaître pour une bonne maîtrise du web et pour devenir un acteur confiant de la révolution en cours. Et au-delà, il n'y a pas de cacher que Google et les réseaux sociaux. Philippe Desartines, vous êtes économiste, conférencier, professeur à la Sorbonne, directeur de l'Institut des hautes études. Concernant le Haut Conseil des finances publiques, qui a participé à des débats et à une commission. En fait, je participe à la commission du développement, qui est une commission qui me croise beaucoup de sujets. Voilà, donc il y avait évidemment une grosse activité dans les médias, particulièrement dans ces carrières. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur l'économie, la géopolitique, ou encore la révolution technologique. Et récemment, vous avez publié un livre passionnant qui s'appelle Le Grand Basculement, en fait, dans lequel vous donnez des clés de compréhension des comportements inédits que nous vivons depuis la crise sanitaire. C'est-à-dire, pour les acheter juste après, vous décrivez comment notre vie a radicalement changé sans retour en arrière possible et comment on préparer l'après pour un monde meilleur. Alain Ronde, vous êtes journaliste, philologue, enseignant à l'École centrale de Paris et à l'Institut français de la Bonne. Et on s'est mis d'accord pour que Alain Ronde présente son dernier livre référent sur la question. Je
Thank you.
arriver probablement à la fin de ce modèle parce que nous sommes à 7 milliards, mais presque 8 milliards de consommateurs. Si la France avait 10 milliards assez vite, et que le modèle qui fonctionnait avec 600 millions d'occidentaux ne fonctionne plus à 7 milliards, 8 milliards aujourd'hui, et demain 10 milliards. Quand on dit ça, ça n'est pas quelque chose de c'est quelque chose qui paraît angoissant. Et il y a toute la jeunesse qui vous dit, mais non, c'est évidemment un fait, c'est un constat. Mais nous sommes en train d'inventer le nouveau modèle. Il a commencé, il est déjà en train de se mettre en place. Alors, pour le dire, parce que de toute façon, il faut changer. Pour le dire aussi, parce que quand on change de modèle, nous sommes des humains, nous ne sommes pas des êtres parfaits. Et donc, nous avons tendance aussi à utiliser ce nouveau modèle, parfois avec des approches qui peuvent être déployées, voire même qui peuvent être inquiétantes. Donc, cette obligation de changement, nous sommes dedans, elle commence. Et cette obligation de changement incroyable, elle se produit, on va dire, avec un éclairage extraordinaire qui rapproche de ce que tu veux nous expliquer, de ce que vous suivez avec les humains du 18e et du 19e siècle, un changement technologique absolument prodigieux. Je pense que nous ne nous rendons pas compte que nous vivons la plus grande rupture technologique de tous les temps. De tous les temps parce qu'elle est prodigieuse en termes de conséquences, elle est prodigieuse encore de conséquences énergétiques. On n'a encore rien vu. Le progrès en route à ce point de vue, et surtout évidemment, ça fait la vie d'hiver du mois, c'est en même temps, c'est pas possible. Donc, simultanément, ça signifie effectivement que nous sommes avec quelque chose, une expérience qui est une expérience extraordinaire. Alors, si on doit juste avoir une image, et parfois, tout à l'heure, quand Frédéric disait ce mot d'arme inquiète, etc., c'est aussi quelque chose qu'on entend beaucoup avec cette structure technologique. Je n'en veux pas, je demande comment ils vont nos enfants, soit ils peuvent être égards, nous sommes déjà dedans. Et là, pour le coup, en faisant une illustration ultra angoissante et négative, et en même temps totalement réaliste, s'il y a une indication qui nous prouve que nous avons changé de monde, ce sont les militaires de la guerre. Je dis, pour aller très vite, il y a 300 ans, si vous vouliez abolir votre ennemi, vous alliez brûler ses récoltes. Et là, effectivement, l'agriculture était au cœur de l'économie. Si vous voulez les récoltes, les gens ne voulaient pas. Et donc, évidemment, vous aviez pas pu les dire. Il y a 70 ans, pratiquement, l'Europe a vécu de façon extrême. Lorsque vous vouliez abolir ou détruire la puissance de l'ennemi, on va réexécuter. C'était le monde de la révolution industrielle. C'est le monde qui est en train de s'appuyer aujourd'hui. Aujourd'hui, quand c'est le cas, vous pouvez paralyser l'économie qui vous êtes unis, vous attaquez ces systèmes d'information. Aujourd'hui, on va dire, le vrai endroit où se crée la valeur, où elle peut se détruire, c'est dans les systèmes d'information. C'est quelque chose que, juste après, on va dire, dans les critiques après les militaires, nous avons les financiers nous disent ça. Enfin, si l'on veut expliquer, c'est parce qu'ils le constatent. Apple ne vaut plus, alors ce sont des chiffres qui sont un peu perspicaces, ne vaut plus de 2 800 milliards d'euros, en plus de dollars, pardon. De 1500 milliards d'euros. C'est-à-dire que ça vaut plus cher que la richesse que fabrique la France, la 7e ou 6e puissance mondiale aujourd'hui en un an. Renault vaut 10 milliards. Donc 10 milliards, déjà beaucoup, mais ça, vous voyez la différence. Volkswagen vaut 60 milliards. Vous voyez, Renault va bien. Volkswagen vaut 60 milliards. C'est-à-dire qu'on voit là que tout d'un coup, on a changé l'échelle. Pourquoi Apple est aussi cher? Quand je dis Apple, évidemment, on a Facebook, on a Amazon. Toutes ces entreprises sont aux alentours de 2 000 milliards de dollars, et puis enfin, Microsoft, qui est au niveau 2, parce que toutes ces entreprises gèrent de la data, gèrent de la donnée, gèrent de l'information. Pourquoi Tesla, c'est un revenu, c'est la base de la voiture, vaut approcher les 800 milliards cette année? C'est 60 milliards. C'est ça, il y avait 400 000 voitures, Volkswagen, 400 000 voitures, pardon, Volkswagen 11 millions. C'est n'importe quoi. Non, parce que Tesla a été conçu comme en tant que entreprise de data. C'est-à-dire, on a dit, on va prendre un produit à des gens riches et on va mettre au cœur du produit qu'on vend une console qui collecte l'information. C'est-à-dire, on va mettre une voiture en tête, ou éventuellement un réseau spatial, ou éventuellement un aspirateur, et à partir de là, Tesla est donc une entreprise de la data, de l'information, de ce nouveau système. De cette nouvelle approche de la donnée. Donc, je veux dire, et là, je suis contestueux d'être au 106 et d'être au 105. Je ne vous dis pas que tout ça est formidable, je ne vous dis pas que c'est extraordinaire, et d'ailleurs, peut-être, la bête, que c'est détestable et qu'il faudra qu'on y aille. Je vous dis
simplement le constat que l'on fait, c'est que nous avons déjà changé de monde. Et ce changement de monde, il nous inquiète, et en même temps, simultanément, nous n'avons pas trop de confiance dans le monde de toute façon. Et je rappelle toujours à chaque fois quand on va faire ces discussions, on va les faire, on va dire, trois par trois en excluant les autres. Nous avons l'obligation de changer de monde parce que nous sommes en dérèglement climatique. Nous avons l'obligation de changer de modèle parce que nous sommes en dérèglement climatique. Et bien là, nous avons l'indication que le modèle est en train de changer à toute vitesse et très profondément. Plus il faut, plus ça vite. La seule chose qui doit nous embrasser, nous, dans cette salle, dans cette tente, c'est que, alors que depuis deux siècles, les plus grandes entreprises du monde, en tout cas parmi les plus grandes entreprises, vous avez toujours plusieurs modèles, plusieurs leaders. Nous n'avons là aujourd'hui aucune entreprise européenne qui vaut plus de 10 milliards de dollars. Je crois que nous avons là un vrai, un énorme problème, c'est la plus grande entreprise française aujourd'hui, pour à peu près 260 milliards de dollars, ce qui est beaucoup. C'est SDRH. Les Françaises, c'est formidable, c'est une catastrophe. C'est-à-dire l'entreprise qui vaut la plus chère d'Europe, c'est une entreprise de luxe. Ça veut dire que quand vous êtes une entreprise qui vend des sacs à patron, ce qui est très très beau par la très clair, donc ça veut dire quand même que vous êtes marginalisé dans votre modèle de demain. Et ça, c'est extrêmement grave, ça doit vous interpeller. Et surtout, ça doit vous interpeller en comprenant bien que rien n'est joué. Nous sommes au début de la révolution, nous sommes au début d'un changement de profondeur incroyable. Et d'avoir, moi je vais le dire tout à l'heure, de passer par un citron, de faire un citron qui se fait avec une raison. Parce que nous allons avoir encore de telles ruptures technologiques que de nouveaux géants vont apparaître. Il faut impérativement que l'Europe, la France, consacre toute son énergie à développer ces géants-là. Il faut y être au départ pour pouvoir croître. Si vous n'êtes pas au départ, vous êtes mort. Vous êtes marginalisé. Si vous êtes consommateur, et vous devez effectivement, à ce moment-là, effectivement, et pardonnez-moi, le cher Michel, vous devez être juste qu'un législateur. C'est-à-dire que vous allez dire comment je vais en fait tuer ces gens-là, peut-être de piller les data, comment je vais essayer de réduire, d'ailleurs, je ne comprends pas, comment je vais faire pour empêcher leur puissance. Je veux dire, consommateur, vous n'êtes plus un acteur. Et donc, ça, à mon sens, ça, c'est toujours pareil. Donc, est-ce que c'était à l'intérieur du pays dominant du 18e siècle, la France, qui domine le monde depuis qu'on a mis un bourbon à la tête de l'Espagne, la précédente puissance dominante du siècle précédent, la France, à ce moment-là, la puissance dominante, se disait quels vont être les acteurs de puissance de demain. On n'a pas complètement bien avant du virage de la fin du 18e siècle, il faut vraiment que la France et l'Europe pensent au virage que nous vivons aujourd'hui en disant une attente. Ça, c'est parce qu'il y a dans l'enfer. Je pense que j'aurai un peu de temps, je ne sais pas du temps, donc je vais des capteurs sur Twitter. Alors après, je vais être reclissé sur Twitter et je vais pas vous faire. Donc, vous êtes comme conseiller, on rejoindra les conférences avant. Donc, puisque certains évoquent une explosion, un bouleversement, une révolution qui est en cours, qui est début de cette révolution, qu'est-ce qu'on doit protéger ensemble? Et vous êtes en train de l'expression, on voit ça, nous sommes à la phase d'une cinquième révolution informationnelle. Pourquoi une cinquième? Parce qu'on a vu quatre autres. Il y a des questions qui sont transcendantes sur ces quatre autres révolutions. La première, c'est le langage. Parce que vous avez vu le très beau livre de Noé du Marie Sapiens, vous savez qu'environ 100 000 ans, on a développé le langage, un langage particulier. Et selon cette initiative de l'humain, ça nous a permis de développer des mythes. Et qui dit développer des mythes, c'est le premier en bilatéral et en multilatéral. Il semblerait que ce soit la grande différence avec les autres animaux. C'est la première introduction. La deuxième, c'est lui, qui sert à simplement permettre que le langage parfait soit peut-être sans le bien de l'intelligence. Et ça, c'est une chose qui est grande. Il y a des gens qui ont été tiens, qui ont été écrits. C'est deux vidéos, son premier, l'entreprise, donc 300-400, en gros, c'est des gens qui sont à part rien. Donc, ça, c'est une chose possible. Troisième point de révolution, c'est l'imprimé. Et l'imprimé, on connaît quoi? À toute une série de sources d'évolution, dont la révolution française. Parce que sans écrit, on a toujours été engagé dans 100 ans de plus. Il n'y a pas de révolution française. Sans être personnel, il n'y a pas de révolution française. Et ça veut aussi incidemment entraîner une révolution culturelle, parce que sans capacité d'appliquer la Bible, nous avons fait un peu plus que du 3e siècle, mais maintenant avec une manière de consommer de vin. Et elle a possédé parce que c'est devenu une baraque, si vous permettez de faire une qualité, qui avait le moyen de se faire un livre à l'époque. Personne, personne. Et donc il y a des intercesseurs entre le
À partir du moment où ça va être un peu plus important, parce que je suis sûr que je suis en train de me faire un peu plus important, je suis sûr que j'ai écrit le premier caractère mobile en premier caractère. 1964, le premier caractère mobile en écrit, il est en cours, et à 2.4, je suis en train de me faire un peu plus important. Donc, à partir du moment où on a tout à fait, on a tous les deux sur les spécialités, qui vont compter, si je vais aller voir, à une centaine de livres en une semaine. Et là, il est évident que le coût de la vie de plus, à partir du moment où on fait vivre les étages, on peut se dire que finalement, pour acheter des indulgences, pour acheter un péché, ça nous amène à la ville, c'est un problème. C'est dans cela que vous avez fait. C'est une réalité au quotidien, on peut se dire que c'est un problème, je vais vous donner sans dire. Je ne pourrais pas arriver sur le temps où on va être réalisé sans prendre votre impression. Quatrième révolution informationnelle, c'est les mettre en question et en même communication, je passe très vite parce que c'est l'attitude. Comment on voit les attitudes humaines sociologique, économique, politique, culturelle et culturelle. Des révolutions précédentes. On parle des gens de ce qui nous arrive, on fait plus une chance de l'État là-dessus, ça va être un changement radical, mais absolument radical. Alors maintenant, vous projetez dans l'avenir, maintenant, c'est sûr que c'est pas possible. Imaginez que nous soyons contemporains depuis un verre. Voilà, imaginez que nous soyons un poète, un scripteur, un poète. On sait qui c'est l'avenir. On sait qu'il a avancé la priorité, il a avancé la priorité. Peut-on anticiper l'encyclopédie du trésor d'intérêt en les journaux, en Sud-Ouest. Non, on ne peut pas. On peut juste imaginer une future qui nous attire encore parce qu'on est pas on n'est pas plus de ce qui va se passer. Et bien, nous sommes ce contemporain de tout un verre, nous sommes dans un état de sidération, ça nous en compte, je suis dans un état de sidération, et c'est moi, en même temps, je suis un passionné. Cette révolution numérique, je pense que ça va être très, très difficile dans tous les affaires. Ce qui est sûr, c'est que tout va changer. Ce qui est sûr, en tant que j'avance, on se dit que nous sommes extrêmement à l'arrêt. Si vous me permettez encore une fois de vous faire une idée, je vais vous faire une idée. Je vais vous faire un hommage à un petit peu de vérité. Il me semble que serait bon que l'Europe, la France et l'Europe, cette partie de la taille, il serait bon que nous comprenions collectivement ce qui s'est passé. Que l'émergence de l'État-nation doit donner place à une agence de l'État-plateforme. Cette plateforme, et la femme est tellement grande dans le monde central, ce sont les femmes qui ont la foi et la foi de la vie. Vous avez des petits gens chez moi, j'ai pas envie de dire que c'est le même à la gauche, et cette émergence de l'État-plateforme, qui est une étude, car on peut dire que l'État-nation est des grands bureaux pour les États-Unis, c'est un problème. On a tous en tête des contre-gestions pour les collègues. Mais ce qui est sûr, c'est que la qualité de la plateforme, nous n'avons pas le droit d'opte. Et ça, c'est la grande différence. C'est-à-dire que nous avons confié notre pouvoir, même si on peut le critiquer, mais ça n'a pas l'air intellectuel, nous avons confié notre pouvoir à des pierres sur lesquelles notre marge de manœuvre est plus complète. Je pourrais continuer de penser que c'est un peu sur lequel tu as dit que nous avons bien, c'est la différence entre la capacité d'accéder à l'information de la science en données et de la connaissance par rapport à cette information. C'est-à-dire que nous avons l'accès immédiat à l'information aujourd'hui, mais pour autant, c'est pas parce qu'on accède à l'information que selon qu'on a fait pour bien cette information, et on en fait quelque chose. Nous sommes tous aujourd'hui encore plus que ça, c'est en fait dans son temps que. Cette facilité d'accès est totalement spécieuse et contre-productive.
quelqu'un qui connaît son cœur, à l'usage de l'heure, et encore. Parce que vous, vous avez pu prendre au pied des mémoires, c'est ce qui est en train de se faire, c'est en train de se faire, c'est en train de se faire, c'est en train de se faire. Donc, c'est toi qui ne peux pas le faire, mais au pied des problèmes, tu peux le faire pour le faire, 415, c'est un autre, et ça va, on va dire, au milieu, attends. Votre progressivité, c'est que j'ai posé le fil pour un très simple façon de vous dire. Ça peut être lié à des leurs problèmes. Donc, c'est très bien que quand on n'existe pas le passé, on n'existe pas le futur, et si on n'existe pas le futur, on n'existe pas le présent, c'est la chose que c'est que la tout ce que c'est. Dans l'attitude
qu'il y ait une préparation, notamment attachée au résultat, peut-être la question est de bien voir ce que vous avoir aujourd'hui, et en finance, alors, c'est vraiment quelque chose qui est très présent, c'est l'inquiétude réciproque des résultats par rapport à cette évolution. Parce que s'il y a en réalité une caractéristique absolue de la révolution du fiscal, c'est donc une révolution de la donnée, de la formation, donc en réalité une révolution mathématique. Les mathématiques ont fait des progrès absolument prodigieux, c'est la science qui a pris grand progrès, c'est-à-dire que la science qui fait les grands progrès qui permet la révolution industrielle, c'est notamment la physique, c'est la mécanique, c'est inventer le moteur, inventer le vapeur, etc. Là, nous sommes au cœur d'une révolution de l'origine des mathématiques. Là, le traitement des big data, le traitement des grosses données. Or, comment se fait cette révolution, et je ne suis pas suffisamment mathématicien pour détailler complètement tout ce que je vais vous raconter, mais cette révolution a été traitée sur un traitement des données à l'endroit où elles sont. On ne les concentre plus, on les traite à l'endroit où elles sont. La grande révolution intellectuelle, qu'on appelle la révolution tonale, on traite des nœuds de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans une logique de la déconcentration, de l'aplatissement. C'est la logique mathématique et la logique technologique. Et c'est aussi évidemment l'énorme interrogation qui impose aux États. Parce que lorsque vous avez une centralisation, il y a une énorme difficulté à l'État, qu'il soit totalitaire ou qu'il soit démocratique, mais par exemple, vous avez une spécialité républicaine, une très grande difficulté de capter l'information pour pouvoir éventuellement faire ce que l'État estime devoir faire, totalitaire, contrôler les citoyens. Démocratique, donc, hein, je dois trouver les moyens dont j'ai besoin simplement pour prendre les services qui sont attendus par ceux qui sont des citoyens pour l'État. Donc là, je crois que par rapport à cette évolution, nous avons cette grande interrogation, cette interrogation qu'on va dire double, le fait que l'État rentre dans les systèmes d'information, et bien entendu, je partage complètement avec vous, Gérard, l'inquiétude énorme que nous avons sur l'évolution du régime chinois depuis nous avons 5 ans. Et depuis, on va dire, l'intensification du système de transactivité, le système actuel. Et nous devons avoir bien conscience que, y compris au sommet du Parti communiste chinois, on s'inquiète beaucoup de la façon dont, en réalité, le système actuellement risque d'échapper à l'État. Le Parti communiste chinois, aussi puissant soit-il, n'a pas la capacité de gérer 1,4 milliard de citoyens qui sont partis de la Chine populaire, si d'un seul coup d'un seul, une technologie ne conduit plus la concentration. Et on voit très bien qu'en ce moment, il y a une sorte de lutte pour essayer de récupérer la concentration de la donnée quand elle risque de se déconcentrer. Là, en termes technologiques, si on doit citer un exemple qui représente cette problématique, c'est blockchain. Blockchain, donc vous avez peut-être un tout petit peu entendu parler, puisque c'est la base de ce qu'on appelle la crypto-monnaie Bitcoin. C'est-à-dire un mode de fonctionnement dans lequel il n'y a plus aucune centralisation. Et ça, aujourd'hui, ça pose un énorme problème à tous les États, y compris la Chine, parce que ça signifie qu'un État ne peut pas entrer dans le contrôle des échanges qui sont faits. C'est pour ça que tout le monde dit aujourd'hui Bitcoin et crypto-monnaies sont d'abord aussi un moyen pour les mafias ou pour les systèmes terroristes d'échanger de la valeur. Parce que les États ne contrepartent pas pour rentrer, je voudrais dire, le système est plus même pour que, en réalité, les contrôles qui sont faits, immédiatement, l'aplatissement va conduire justement à quelque chose qui permet à l'État de rentrer. Donc là, je crois que par rapport à ce que nous exprimons comme crainte aujourd'hui, on doit bien avoir conscience que l'autre point peut être encore plus important. Reste de dire, ce qui est en train d'arriver, c'est d'abord une remise en cause fondamentale de l'État, tel qu'il a été défini depuis 5, 6, 7 siècles, et tel que le régime Montesquieu. C'est-à-dire que nous sommes dans une structure économique, sociale, dans laquelle nous n'aurons plus un mode de fonctionnement, qui sera un mode de fonctionnement comparable à celui d'auparavant, dans lequel l'État, évidemment, va devoir se réinventer. Très facilement de voir comment tous les États du monde aujourd'hui, on pense à la réinvention en disant par exemple qu'il faudrait une élection. Peut-être qu'il faut utiliser concret cette liberté avant qu'elle ne soit contente. Peut-être que j'ai un mot pour le Thank you.
interrogation. Alors en fait, elle permet de cette interrogation, mais ça va être continué de manière technique, j'ai envie de dire, informatique. Donc, à faire là-dessus, les acteurs sur le fait que les résultats, je me consulte un petit peu parce que j'ai dit qu'on va passer l'année et les actions avec la plateforme, mais les résultats pour l'instant ont encore un rôle, parce qu'en fait, c'est cette fonctionnalité qui tire de l'avant du feu en contrôlant les données. Et donc, nous avons fonctionné de manière extrêmement technique de données. C'est vrai que tu as pris deux minutes de l'année, mais tu as fait le travail. Puisque tu as un téléphone, tu comptes que ça doit être, ça doit fonctionner avec Android, et donc tous tes déplacements sont collectés par Google. Quand tu regardes une vidéo sur YouTube, quelque part tu es stream, tu es en train de faire des vidéos de chat, ou de Google, je ne sais pas, qui est stream à son intérêt. Quand tu recherches sur Google, certains recherches sur cette carte au championnat, peut-être que tu es gourmand, et peut-être que ça veut dire que. Il y a une possibilité, tu vois, de faire une procédure d'assurance qui soit adaptée à ce que tu feras. Alors, je vais faire c'est que les données sont captées, j'arrive. Et donc, les données, en réalité, ici, ça prend pour l'instant deux grandes structures qui sont les plus pour aller dans ce sens-là, sur le. Juste avant, pour aller dans ce sens-là, sur le. Je partage le journaliste la question de. Est-ce que justement le pouvoir de partager avec tout le monde, on a dit, est-ce que c'est ça la liberté d'expression? Est-ce qu'on peut considérer que partager son avis pour extérioriser sa pensée, c'est la liberté d'expression? Justement, je pense que la question du ce que nous sommes en train de dire, je veux vraiment insister sur cette question, sur le fait que quand on est en train de faire cela, notamment dans la jeunesse qui doit, ça ne veut pas dire que je dis ça avec les filles, ça, on se déclare en train de faire, on va voir comment ils vont fonctionner. Donc vraiment, on doit avoir conscience dans cette dernière position que nous sommes sans cesse dans une accélération du progrès, que l'État ne gère pas nécessairement. Alors, si je devais prendre un exemple, à mon avis, très frappant, sur le début de cette époque-là, nous sommes le 12 septembre, comme je ne m'attends pas, le 11 septembre, exactement 20 ans, c'est Al-Qaïda
Al-Qaïda, ça veut dire quoi? Ça veut dire en France, c'est la base. Vous voyez quoi? La base de données. C'est ça, Al-Qaïda, la base. Al-Qaïda est constitué, c'est l'État américain qui constitue, qui crée Al-Qaïda au moment de l'invasion d'Afghanistan en 1979 par les Soviétiques. Les Américains veulent pas rentrer en guerre contre les Soviétiques directement, et donc ils vont créer un mouvement de résistance qui va être un mouvement de résistance à la fois totalement moderne, c'est-à-dire une guerre de la satane, de la donnée, et en même temps totalement traditionnelle, c'est-à-dire faisant appel à toute la population interne. Et justement, là, c'est l'informaticien géniaux, dont un s'appelle ZZ, qui a étudié aux États-Unis, qui ont décidé de rentrer l'information sur la population interne. En disant, à un moment donné, cette information vous permettra de demander à quelqu'un de devenir un résistant. Et les agents de leur vente soviétique, ils ne savent même pas qu'ils sont leur vente. C'est-à-dire, quand vous allez capturer quelqu'un, vous le torturez en disant, toi, tu peux mettre une bombe, il ne sait pas. Alors qu'effectivement, quand on a capté l'information, on se rend compte qu'il peut le faire. Les Américains développent ça. Vous êtes l'Union soviétique tombe en 1989. Donc, les Américains disent, bon, bah, attends, c'est bon, on a plus besoin de ce message. Ils mettent Al-Qaïda. Continuer d'exister, continuer à intégrer de la donnée. Les attentats du 11 septembre 2001, c'est à base de données qui a continué à fonctionner, qui a repéré, en l'occurrence, les Soviétiques, en disant c'est grave, il faut apprendre à vous aider, c'est qu'on n'a pas avoir le courage d'interroger les attentats, etc. Et donc, nous avons les attentats du 11 septembre. Quelle va être la réaction américaine? Eh bien, ça va être une réaction législative, on retrouve d'ailleurs en l'occurrence mon désir, donc à la licencie. Et ne t'inquiète pas, le droit va arriver. Les Américains disent, ok, en fait, qui était dépassé par une base de données, donc une voiture va se faire en plus puissance. Ce sont les lois, donc du gouvernement de l'administration Bush, qui vont dire en fait, tous les administrateurs de données, notamment les gens qui sont professionnels, mais pas uniquement, doivent donner leurs informations au professionnel américain, à la FSA. Ce qui a donné lieu, effectivement, à des normes sociales, quand on a arrêté quand on a arrêté ce modèle, il a raconté donc le petit employé de la unité en disant que dans les vacances en ce moment, en fait, cette collègue de la data, c'est quand même qu'on écoute tout le monde. Et en voyant, on arrive sur la dérive, sur le risque de dérive au contrôle de la donnée. Le contrôle de la donnée par l'État, y compris dans la sphère démocratique. Et depuis, qu'est-ce qui se passe, évidemment, on a eu des développements de la donnée de plus en plus, de contre-données de plus en plus puissants, donc l'État qui avait mis en place ça, en réalité, probablement, il est passé, il n'arrive pas à suivre. L'évolution technologique. Et nous sommes dans une période où nous avons tellement d'émotions qu'on ne peut pas avoir de l'opinion des arrivées et définitives. Parce que nous sommes dans une instabilité scientifique incroyable. Et ça, vous voyez, j'insiste vraiment là-dessus, parce que nous tous dans cette salle, y compris les plus jeunes, même si les plus jeunes quand même, même si j'avais des jeunes un peu gros, mais y compris les plus jeunes, nous sommes tous issus d'un système hyper stable du point de vue scientifique et technologique. Nous n'avons pas connu de rupture scientifique, de rupture technologique, comme on a pu les connaître au XIXe siècle, ou voire même au début du XXe siècle. Quand l'électricité est arrivée, quand l'automobile est arrivée, tout ce que vous saviez jusque-là était remis en cause. Nous sommes tous issus d'une société extrêmement stable, et donc cette instabilité incroyable fait que tout s'affole tout de suite en disant mais vous vous rendez compte comment on va faire? Ça y est, on va être opprimé par ça. Non, c'est pas sûr du tout, parce qu'on est déjà en train d'inventer quelque chose d'absolument prodigieux. Il y a peut-être que l'État, on va dire la puissance totalitaire, se retrouve même dépassé. Et c'est un des problèmes fondamentaux de la Chine aujourd'hui, c'est qu'elle essaie de concentrer les scientifiques pour essayer justement d'avoir une capacité à faire cette évolution technologique. Or, c'est pas la concentration ou l'invention en développant comme ça. C'est ça qui est extraordinaire et terrible, c'est que vous avez beau concentrer les plus grandes unités. Les plus grandes unités ne trouvent pas le truc extraordinaire. C'est ça, si vous avez besoin, on va faire une illustration, là pour le coup, là chez nous, nous avons Sanofi, qui est le plus grand vaccinateur, et vous avez Moderna, toute petite entreprise, qui va explorer quelque chose que l'État, avec tous les scientifiques, n'a pas osé regarder. Trop dangereux, trop compliqué pour en fait. Parce que c'est là que c'est en train de se passer la modernité. Et bien ça, c'est vrai tout le temps en ce moment. Ça a toujours été vrai quand on est dans les ruptures technologiques. Et nous, on a oublié que quand on était dans une société hyper stable, une société hyper stable, hyper administrative, hyper bureaucratique, c'est parce que c'est des gens très nombreux, on fait des toutes petites avancées. Quand on a inventé des trucs géniaux dans l'automobile, en France, au début de la société, ça a une énorme perte d'État. Une toute petite société
volant. Ah oui, bah, oui, le gros truc qui produisait le moteur, il n'avait pas pensé le volant. Tiens, si on a inventé le travail, ah oui, ça, ce n'est pas les gros structures qui inventent ça. Les petits barrages, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans une telle ébullition scientifique. Et si vraiment vous devez être optimiste comme Montesquieu, à la fin de cette conférence par rapport à tout ce qu'on raconte, c'est que quand vous voyez la science avancée au début du 21e siècle, vous avez tous les amis de science dure, c'est-à-dire les scientifiques, les sciences économiques, les sciences folles, mais tous les gens qui sont tous les sciences dures et les sciences folles, les gens dans les sciences dures, mathématiques, etc., vous disent tous j'ai le vertige. J'ai le vertige. Je ne pensais pas vivre ça de mon vivant. Ça ne s'est pas vécu il y a 20 ans, ça ne s'est pas vécu il y a 30 ans, ça ne s'est pas vécu il y a 50 ans par vos prédécesseurs. En Cicéron, là, il y a une avancée de la science absolument incroyable. Et ce qui se passe, évidemment, c'est que cette avancée de la science, elle n'est pas du contrôle de l'État. L'État, imagine qu'il contrôle la technologie parce qu'elle est arrêtée, et immédiatement, elle est déjà obsolète. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est la raison pour laquelle les GAFAM vont disparaître. C'est la raison pour laquelle les Européens vont créer de nouveaux GAFAM. Parce que si tu imagines que Michelin maintenant, c'est le nouveau Michelin, c'est que l'écoute, c'est pas vrai. Vous ne passerez pas 5 générations chez Facebook. Déjà, le patron de Facebook a dit mon entreprise est morte, elle ne sait plus innover. Facebook n'a pas dû inventer WhatsApp. Facebook n'a pas pu inventer Instagram photo, il a réuni dans un compte qui beaucoup plus gros. Enfin, aussi gros que où les gens veulent jouer au baby-foot, où ils ont envie de regarder les machins, etc., en mettant c'est les meilleurs scientifiques du monde. Là, le patron Facebook, il vous dit, bon, les gros, dans les maisons, dans les conditions pareilles, ils ont un plus d'une pensée que la nouvelle communication de cette image. Alors, les citrons, ils rachètent. Et oui, quand vous êtes en train de racheter, vous êtes un vieux, il y a un garçon, il rachète. Quand vous êtes jeune, vous l'inventez. Moderna, aujourd'hui, on dit, dès qu'on l'achète, trop tard, il va être trop cher. Alors, vous n'achetez pas Moderna, parce qu'il y a tellement gros, ils vont être obligés de commencer à racheter plus jeunes. Ce sera des plus d'emprunt. Donc là, on est dans cette situation, je le répète, c'est une situation inouïe parce que nous n'avons pas connu notre vivant. Nos parents n'ont pas connu, et dans le monde, on n'a pas ce repère-là. Et en revanche, on voit très bien que c'est exactement comme ça que ça se passe. Et quand vous êtes en train de faire l'histoire des grandes cultures technologiques, vous vous rendez compte que ça s'est toujours passé comme ça. C'est le petit idéal de dinosaures qui entre toujours au moment des cultures technologiques. Je suis on arrive au moment stratégique, c'est vraiment beaucoup
choses dans son domaine, véritablement d'investir. Parce que l'investissement pour qui de ce qu'on a beaucoup trop de plus de choses, c'est pas pour un choix. Ça peut être très bien. Mais il y a quand même cette volonté de recrutement en règle générale qui n'existait pas en Chine depuis 40 ans. Alors, ça, vous dites que effectivement, en Chine, la logique des esprits, on dit que je parle de tout, ou en tout cas, des conseils pour les conseillers. J'avoue que vous avez un peu sur le fait qu'effectivement, la capacité que vous avez peut-être de partager sur la vie, c'est quelque chose qui pourrait vous faire croire dans la liberté d'expression. Parce que vous êtes dans les conditions, c'est une liberté d'expression parce qu'on peut s'exprimer. Parce que si vous existez la question, c'est une question sur laquelle une réponse à des belles questions. Évidemment, je sais. Il est évident que la liberté d'expression est un bien commun, il est évident que ça passe par actuellement par les outils informatiques et techniques, c'est peu que ça se retourne contre nous. C'est ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où je fais des questions dans ce canal avec l'organisation presse, je vais faire à peu près tout ce que j'ai envie de faire en termes de liberté d'expression, il est intéressant de voir que premièrement, ça va être bien adoré, il faut se faire, ça va être aussi de Craig Reto. Et ça va aussi augmenter, ça va augmenter des bases, ça va augmenter des bases de données, je sais qu'il faut faire des tuyaux. Et à partir de ce moment-là, il faut savoir que c'est en capacité de créer ce qu'on appelle un double numérique, avec ce qu'on est avec moi, bien évidemment, et je cherchais justement du temps. Donc vous avez tous ici un double numérique, que vous exprimez un peu, beaucoup ou énormément. Alors à quoi ça d'avoir un double numérique, quelle que soit la situation. Eh bien, je trouve, par exemple, en comptant à l'ensemble de son expression, y compris sur les réseaux sociaux, avec les idées d'attente, comme j'ai évoqué tout à l'heure, par exemple, l'étoile sur lequel il y a un projet de GSM à 10 km, vous voyez que les GSM qui savent à peu près qui tu es, et vous apportez une information qui te convient. Et on parle beaucoup du système de crédit social chinois, il faut savoir que le Japon aussi est en Occident, un système de crédit des droits sociaux et économiques, simplement. Donc, nous avons exactement la même chose. La grande différence, c'est qu'en Chine, vous utilisez les termes politiques, en Occident, vous utilisez les termes économiques. Et j'avoue ma frustration. Donc, mon cher Jérôme, est-ce que tu penses que l'instrument positif est qui est tout à fait acquis? Quelle expression, tout ce que tu dis sur LinkedIn, je disais le dessus, c'est gentil. D'accord. Tout ce que tu dis sur les réseaux sociaux, tout ce que tu dis sur Internet, tu peux compiler un système de double numérique. Et en fait, ça te renvoie des choses qui peuvent te confier en tout cas. Et ça peut confirmer aussi. Je termine ma démonstration avec sur liste. Je vais en faire une pour faire sur autre chose. Et que tu vas être dans un bain numérique qui te correspond parfaitement. Puisque les personnes vont t'envoyer une image de ce que tu es en fonction de ce que tu as déjà dit. Et donc là, il y a une liberté, c'est un encadrement. Et c'est là où se trouve un des perfects systèmes. Plus on en dit, plus on est connu, et plus on reçoit une gratitude, nous sommes. Il va y avoir, il peut y avoir, vraiment, je ne sais pas moi, je suis simplement intermédiaire des vrais techniciens. Il y a, on voit qu'il y a une polarisation des débats sur les groupes de discussion, justement, il y a ce phénomène. Ce qui est intéressant, c'est de dire qu'effectivement, la liberté d'expression, on parle des trop exprimés, nous expose effectivement à la conséquence sur la connaissance de nous-mêmes et de notre objectif. Donc, ça va amener à nous utiliser comme un produit à partir du moment où vous êtes le tuyau. Et tout ce qu'on vous veut dire, soyons propriétaires de le tuyau et retrouvons justement de souveraineté numérique, comme on dit en souveraineté. Et moi, je trouve positif, c'est un petit peu bizarre, mais pour toute autonomie de rien avoir des souverains de l'idée en main. Au contre-pont, autonomie numérique, et la philosophie se bat pour que l'Europe constitue un troisième pôle de puissance numérique, à côté de nos amis américains et à côté des amis chinois, pour promouvoir un numérique qui respecte nos valeurs. Alors peut-être, Je vais vous montrer un peu de temps.
Parce que, au jour où j'en ai besoin, je vais vous avoir commencé à faire la vision du départ.
en disant un petit peu de sérieux, en ce moment, etc. Bon, arrêtons tout ça, je n'utilise plus mon téléphone, je n'utilise plus mon ordinateur, je veux faire des études, je veux regarder que je vais faire et avoir un téléphone avec un pied. Là, au moins, c'était bien, comme à l'époque, Jean-Paul Belmondo dans ses versions. Voilà, bon, là, vous pouvez dire ça. On pouvait dire ça autrefois, en disant pourquoi ne pas me faire parler. En fait, c'est-à-dire que quand vous avez parlé, comme tout à l'heure, je vous ai écouté la priverie, François Pogré, pourquoi la Renaissance a perdu la priverie pour les gens en disant la technologie, elle nous faut faire en vos plus trop compliqué. En disant, non, tu vois, tu pourrais tout se passer. Donc, combien on pourrait dire ça, bah, pourquoi pas revenir à être clair, aujourd'hui, nous sommes dans une situation. Pourquoi on a mis un radio parce que pour le temps, il n'y a pas besoin de faire une radio, donc on a fait une radio.
C'est ça qu'il faut que nous fassions effectivement, c'est que nous gérions ce changement. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est effectivement des risques de dérive, et derrière, il y a bien le changement de modèle, c'est sans doute. Et là, la question, j'espère pour tous les gens qui sont en train de dénoncer ce qui est ici, c'est de dire je veux en être. Je veux qu'on contrôle, je veux qu'on réfléchisse, je veux qu'on débatte là-dessus, je veux qu'on arrête les débats politiques qui soient sur des questions du passé. Je ne sais pas, hein, ce qu'il faudrait faire en filière de la SNCF, par exemple, pour les petites questions du passé, parce qu'on n'a pas les moyens de tout faire. Mais qu'on dise, si on met de l'argent dans le nouveau câble, comment on va faire pour tirer dessus? Comment on va faire pour pas être dérivé? Comment on va faire pour être juste peut-être compétitif par rapport aux autres? C'est ça les vraies questions qui se posent aujourd'hui. Et si, en France, on n'arrive pas à ça, d'abord, c'est embêtant pour le monde, parce que la France a vraiment un rôle, là, de ce point de vue qu'elle a toujours eu. Et qui est important que la France continue à jouer ce rôle-là, et qui est important pour la France et pour nos enfants. Et vous savez, quand je dirais pour la France et nos enfants, que vous soyez dans cette approche rétrograde. Et je crois vraiment que dans notre société, cette tendance rétrograde, c'est la tendance peut-être naturelle en bougeant là, quand on va à la conférence, on a l'impression qu'on est d'accord, c'est quand même pas ça, mais j'en ai marre d'avoir ces éléments-là. Ça, cette tendance-là, il faut absolument qu'on la réprime. Parce que, un, on n'est pas dans le truc qui est normal. Deux, il y a besoin de changer, mais trois, il y a quand même énormément de choses positives qui sont associées à cette révolution-là. Si on devait juste rentrer dans un endroit où les datas sont en train de choses, c'est justement dans la santé. C'est-à-dire là, les médecins, les scientifiques dans l'équipe, ils nous disent le grand changement absolu, c'est la vie. Parce qu'effectivement, si demain on pense qu'on va besoin de faire, c'est parce qu'on aura les datas qui vont nous permettre de voir comment on peut développer les santé et comment on peut l'empêcher. Enfin, un exemple parmi les multiples d'autres. Donc là, on est à deux doigts d'avoir cette chose positive, et pour que les vrais gens le voient. Pour que les vrais gens soient convaincus que oui, il y a des thématiques, mais je veux y aller. Vous savez comment on pense qu'on veut y aller. Et encore une fois, les économies, investir ces économies dans cette chose-là. La France a commencé à basculer dans la révolution industrielle quand les vrais gens ont commencé à investir dans le chemin de fer. Ils ont perdu plein d'argent, plein d'argent, ils ont commencé à croire à la modernité de notre pays. Bon, ils ont été aussi à un moment donné inquiétés parce que, quand c'est ça que je veux dire vraiment du point de vue militaire, on a pu être en 70, 10 ans, et à partir de là, les Français ont commencé à investir dans les nouvelles technologies. En disant, en fait, on veut que la France soit dans les vrais qui va être la modernité. Donc ça, je crois que vraiment, vous voyez, par rapport, c'est pas un discours béatement politique, parce que ce qui nous apprend à pas être béatement politique. Et on s'excuse d'avoir quelqu'un qui vous amène des lumières, quoi. Qui vous amène vers un nouveau monde. Et après, on n'a pas le choix de quoi. Et puis en plus, celui qui arrive n'est pas nécessairement plus mauvais. Alors, Jérôme, on reste en train de dire quelles sont les idées pour la fin de la vie en fait. Allez, on va faire la carte. Vous parlez dans les négatifs, vous êtes 1% de ce qu'il y a à dire. Néanmoins, je suis aussi totalement des simplement, il faut, comme l'a dit Philippe, il faut absolument que c'est Philippe qui m'a écouté. Tant mieux, il faut comprendre. Il faut faire la différence entre Internet et le web. Personne ici ne fait la différence. Donc, il faut comprendre, il faut s'investir dans les questions de l'argent, il faut investir du temps, et c'est la condition pour que ça se passe bien. Je vais terminer avec une référence à deux ouvrages, américains, y compris en dehors du territoire américain, peuvent être en fait.
Donc, chers amis, vous avez santé, qui est acheté par Microsoft, même vous voyez la consortium franco-européen, qui est absolument une bêtise. Donc, construisons les outils de notre indépendance et c'est par les pouvoirs, en tant que je termine dans votre esprit. Cette intervention des pouvoirs associés à la technologie et permet effectivement de segmenter effectivement la population pour éviter de tout donner pour elle et tout mettre tous ces deux dans la sécurité. Alors, une conclusion, parce qu'on va devoir terminer maintenant rapidement. Peut-être des éléments sur lesquels vous allez parler,
les accélérations de tendance par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, puisque par exemple, la montée en puissance de la Chine, font que nous devons réagir vite. Et je pense que toujours pareil, quand on doit réagir vite, c'est par rapport à ce que vous avez fait, c'est l'alliance du vieux Montesquieu et du vieux quoi. C'est-à-dire que le vieux Montesquieu, vous avez écrit des lois qui est un texte extraordinaire, le jeune Montesquieu avec les lettres personnes, c'est absolument génial avec son anticipation et tout un tas d'éléments qu'on va avoir, parce que d'ailleurs, vous avez été, on n'a pas parlé encore, autour des convaincus, par exemple, quelque chose comme ça. Je veux dire, c'est l'alliance entre la jeunesse là aujourd'hui qui est complètement, qui bascule complètement dans un autre monde, qui est prêt à changer complètement de la vie avec Covid, changement de mode de vie, etc. Nos jeunes gens sont prêts à accélérer. Il faut surtout que l'ensemble des générations soient dans la même logique. Et quand on parle de la rupture générationnelle, le jeune qui dit nous, on va en avant, et on dit les derrière, et d'autres derrière qui disent de toute façon, là, vous allez ne vous intéresse pas. Tout à l'heure, le débat précédent était exactement comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on doit avoir justement cette réflexion commune avec peut-être la réflexion, je ne sais pas, tu veux bien en demain, qui sont les dans ces logiques-là. Et en tout cas, dans cette évolution de redéfinition rapide de la société scientifique qu'on veut garder, quelles sont les choses importantes, quels sont les éléments qu'on veut conserver de notre culture, de notre monde d'avant, et quels sont les éléments sur lesquels on va travailler pour le monde d'après, parce que ces éléments-là sont cruciaux pour un mode de fonctionnement différent. Et là, ce sera notre conclusion. Merci à tous les trois.